Sénateur Moïse Jean-Charles souligné li appuyer marche pacifique jeudi a pour réclamer libération militant yo arrêté yo, li profiter annoncer une série mouvement pour ce mois d'octobre là dans tout pays a pour réclamer des pas équipement li la mot là et puis révéler autorité yo t'a débloqué 63 millions goud pour faire bamboche côté ou assassiné Jean-Jacques Dessalines. Suivre déclaration parlementaire une autre fois encore. Nous venons la matin pour nous dire grand public temps, matin nous font réunion l'ensemble organisation avec parti politique qui prend initiative, qui pour goumen contre pouvoir en place là, eh bien, ça nous sortit ensemble avec elle, c'est que jeudi qu'a venu là, nous parlons devant le ministère de la justice pour nous arrêter dans la manifestation là, en même temps tout, pour nous dénoncer le comportement du ministère de la justice ensemble avec l'autre autorité policière. Vous parlez de 63 millions de goûts, qui côté comme ça t'a sorti? Et il sorti exactement. Dans le ministère de l'Intérieur, pour être capable, comme qui peut faire développement dans la collectivité territoriale, c'est comme ça qu'il prend pour être capable de faire pression politique dans le pays. Et 63 millions de gouttes. En même temps, tout, nous dénoncer taxes peuple haïtien payé, et bien au point comme ça, pour acheter gaz lacrymogène, pour bombarder peuple haïtien, et pour acheter machine, capturer un liquide, parce que personne qui connaît qui ça liquide ça y est. Les manifestations sous population haïtienne. Là. En gros, sénateur Moïse, vous prenez un groupe de monde qui planifie l'assassinat ou même nous avons été à l'exécution et qui s'en fait même, est-ce qu'on compte porter plainte devant la justice quand même? Et maintenant, là, tu as un président de la commission justice qui t'a venu là, pour que vous sénateur pour lui capter l'ensemble avec sénateur bien-aimé, nous sommes concertés entre nous. Et nous, moi-même, personnellement, je parle déposer plainte contre une série d'autorités qui étaient participées dans la réunion, là, particulièrement le directeur général de la police. Moi-même, personnellement, je parle faire ça. Avocat nous avons réunion avec l'après-midi là. Mais fait certain, malgré tout ce qui passe, nous ne sommes pas capables de baisser le pavillon. Non. Au contraire, et ça que nous avons besoin de communiquer à la presse, toute une série de mobilisations dans le pays. Hein. Nous parlons jeudi qui venu là, nous avons une grosse initiative nous prendre devant le ministère de la Justice. Deuxièmement, au Cap Haïtien, demain matin à 10h du matin, nous prenons la rue au Cap Haïtien. Ensemble avec parents l'école, élèves l'école, matin qui prend masse cob. Non mais diaspora non, moun sa pa jam paye yo. Mwen kwè demain madi an à 10h du matin, gon gros manifestation qui va le faire au Cap Haïtien. Deuxièmement, le 25 octobre au Cap Haïtien encore, pa gon gros manifestation, moun ka écrasé, moun ki grand goût, moun y a violé droit yo, tout problème gen dans pays an, moun ki conscient gon dictature k'ap gen dans pays an, mwen kwè nou pral manifester au Cap Haïtien le 25 k'ap vini là. Le 26 k'ap vini là, nan Port-au-Prince. Pour une grosse manifestation, nous sommes réunis ensemble avec Zami Jacques Melio, qui parle prendre la rue en tout dimanche qui est venu là. Ensuite, dans Okaï, pour une manifestation. Dans Mimale, pour une manifestation. Dans Tigouave, mobilisation pour continuer. Et les 16 qui est venu là, entre Pillon, Saint-Raphaël, Dondon, pour Boutka Foubaïbatan. Dans la question route qui t'a doué, nous voulons parler de route numéro 3 là, route nationale numéro 3 là, qui sont routes qui sont importantes. Matéli détourné comme ça, pour qu'il y ait une manifestation qui va être dans la route. Après ça, série manifestation, il y a une série de manifestations non-stop. Là, ça, nous n'avons pas besoin d'autorisation de la police nationale. Et tout ça nous dit là, les pays qui ont manifesté, j'en veux, il n'y a pas même besoin d'autorisation de la police. Puisque nous sommes d'accord entre nous pour nous jeter le pouvoir là, si nous attendons, ça prend 11 semaines, 2 semaines pour nous faire manifestation ça, pour voir pour aller en place et le ministère pour continuer à être dans le pays. Après date 26 ans, pas de possibilité pour nous écrire la police nationale encore. Nous pouvons prendre l'arrière, j'en suis capable. Et sans condition, sans pas besoin de former la police et justifier la manifestation ça, avec on sait des problèmes sociaux. Avec conseil des projets qui commencent la caille nous et puis pouvoir je dis en détourner comme yo. Est-ce que son appel à désobéissance civile ou nationale? En gros, je ne suis pas capable de dire si on désobéissance civile, nous allons plus loin toujours. Je crois que je suis capable de manifester, je nous voulais pour nous finir avec pouvoir en place là. À partir de ce qui est passé, 17 octobre qui s'est passé là, ça montre clairement pouvoir battre vle, moi-même personnellement dans la rue. Imaginons, on patrouille policier vini. On sait des bandits qui mettent uniforme la police sur eux pour demander de quitter la rien. Et l'aime pas de quitter la rien, ou ils tirent gaz là directement sur eux-mêmes. En gros, peuple haïtien, nous cassons rendez-vous.
avec toute date nous bail là yo, mais pas oublier à partir 26. Pas de question écrit la police encore, nous pour manifester Jean Nouvelet quartier par quartier, section communale par section communale pour nous montrer clairement nous en face pouvoir et nous en face communauté internationale qui prend payant avec Matéli et qui a crasé tout acquis démocratique yo. C'est ça nous avons besoin de parler avec la presse matin hein, pour nous montrer nous clair, pour montrer clairement malgré toute intimidation ça nous passe dans Delmadé, ça nous passe sous et Nazolan et sacrivez nous dans Delma 30 ans, ça montre clairement son tentative d'assassinat qui a fait sur nous.